Bonjour tout le monde. Je veux d'abord saluer tous les gens de Mégantic et de la région rassemblés ici ce matin. C'est un moment important, pas juste pour vous, mais pour tout le pays. Il y a presque 5 ans, c'est le pays au complet qui a été heurté et touché par ce qui s'est passé ici, mais personne ne plus que vous. Et de pouvoir être ensemble aujourd'hui, ce matin, ça me touche énormément. Je veux aussi saluer le ministre canadien des Transports, Marc Garneau, Marie-Claude Bibeau, ministre et députée de Compton-Stanstead, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, le député provincial de Mégantic, Ghislain Bolduc, et le député fédéral de Mégantic-l'Érable, Luc Berthaud. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, l'ancienne mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy, et les maires de Frontenac et Nantes, Gaby Gendron et Jacques Breton, qui sont également des nôtres, ainsi que la préfète Marielle Fecteau. Merci d'être ici ce matin pour cette annonce importante. Le 6 juillet 2013, la région de Lac-Mégantic a souffert la perte tragique de parents, d'enfants, d'amis, de voisins et de collègues. Les Canadiens d'un bout à l'autre du pays se souviennent encore des images déchirantes de l'accident ferroviaire qui a enlevé la vie à 47 personnes et détruit une partie du centre-ville. Suite à ces événements terribles, tous les Canadiens se sont unis dans le deuil. C'est dans ces moments sombres que nous avons été témoins du courage exceptionnel des premiers intervenants, de la générosité des résidents des communautés avoisinantes et surtout de la résilience des Mégantiquois. Dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi, Lac-Mégantic est devenu synonyme d'espoir, de détermination et de solidarité. Malgré les obstacles, la tragédie a progressivement laissé place à la reconstruction et à la guérison, et c'est tout à l'honneur des résidents. Aucune communauté ne devrait avoir à vivre ce que Lac-Mégantic a vécu. Aucune personne ne devrait avoir à souffrir la perte tragique des siens. Vous savez, le jour de l'annonce d'un projet d'infrastructure, les politiciens impliqués sont normalement tout sourire. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, il n'y a rien qu'on ne donnerait pas pour revenir dans le passé et nous éviter d'être là, ici, aujourd'hui, à faire cette annonce. Évidemment, nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, mais nous pouvons, ensemble, façonner l'avenir. Nous pouvons soutenir votre communauté d'une façon particulière, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous annonçons que la voie ferrée quittera définitivement le centre-ville de Lac-Mégantic. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu une entente de principe en vue de financer l'aménagement d'une voie de contournement à Lac-Mégantic. Today, we are announcing that the railway track will leave Lac-Mégantic's downtown core for good. The government of Canada and the government of Quebec have reached an agreement in principle to jointly fund the rail bypass project. Ce nouveau tracé, qui s'étend sur plus de 12 km, a été sélectionné suite aux résultats d'une étude de faisabilité lancée par la municipalité de Lac-Mégantic. Sur ce point, je tiens à souligner le travail acharné du ministre Garneau et des représentants actuels et passés des 3 municipalités concernées, en plus des citoyens de la région. Today, we are taking an important step to help heal the wounds of a community that has been through so much. Ça fait maintenant presque 5 ans que les Mégantiquois s'épaulent les uns et les autres et portent le poids énorme de la perte qu'ils ont subie. Nous espérons que l'annonce d'aujourd'hui apaisera les esprits et contribuera au processus de guérison. Nous espérons qu'en veillant à ce que les trains quittent le centre-ville pour de bon, nous contribuerons à alléger leur fardeau. Encore une fois, je tiens à remercier tous mes collègues pour leur travail et tous les intervenants qui ont rendu cette voie de contournement possible.